Dans une tournure surprenante, Justin Bieber a finalement rompu son silence concernant la récente arrestation de Sean Diddy Combs. Alors que les détails concernant les prétendues soirées « Freak Off » de Diddy émergent, Bieber réfléchit à leur histoire compliquée et à leur collaboration. Nous ne savons pas encore comment les déclarations de Bieber vont révéler les aspects les plus sombres de la relation entre lui et Diddy, qui est maintenant sous surveillance. Entrons dans les détails. Justin Bieber brise son silence. Bien que Justin Bieber ait gardé le silence sur l'arrestation de Sean Diddy Combs pour trafic sexuel, il aurait rompu son silence en déclarant qu'il n'aurait jamais collaboré avec lui s'il avait su que ses allégations feraient surface. Selon l'initié, qui a parlé en exclusivité à DailyMail.com, Bieber a intentionnellement gardé le silence sur la question et il n'envisage pas de s'exprimer à quelque moment que ce soit. L'initié a poursuivi en expliquant que Bieber avait déjà pris ses distances avec Diddy depuis un certain temps, surtout après avoir réalisé que de nombreuses rumeurs autour de Diddy avaient une part de vérité. Bieber a participé à la chanson « Moment » de Diddy, qui figure sur l'album The Love Album de Diddy en 2023, « Off the Grid ». Après la sortie de l'album en octobre, Bieber a même évoqué avec émotion sa première rencontre avec Diddy. « Je me souviens être allé au bureau de mon frère Diddy pour lui présenter une chanson que j'avais écrite pour lui quand j'avais 14 ans », a-t-il écrit sur Instagram. Toutefois, compte tenu des récentes révélations, ce souvenir est désormais assombri par la déception et les regrets. Alors que les ennuis judiciaires de Diddy s'intensifient, d'anciens clips de lui et de Justin Bieber ont refait surface, ajoutant à la controverse. Dans l'une des vidéos, le couple passe du temps ensemble dans le somptueux manoir de Diddy en novembre 2009, où Bieber traîne avec le rappeur et va même voir sa collection de Lamborghini. Bieber a publié une fois la vidéo sur sa chaîne YouTube, capturant le temps qu'il a passé à traîner avec Diddy pendant 48 heures. À seulement 15 ans, Bieber semble très enthousiaste à l'idée de cette sortie. Diddy parle au jeune Bieber de lui offrir une voiture lorsqu'il aura 16 ans. Diddy plaisante en disant que même si elle est un peu poussiéreuse, la voiture sera celle de Bieber chaque fois qu'il sera à Los Angeles. Bieber, excité, demande s'il la conduira l'année prochaine, mais Diddy lui rappelle qu'il doit encore attendre et prendre les choses étape par étape. Diddy mentionne également que lorsque Bieber aura 18 ans, il aura lui aussi un manoir. Bieber demande ensuite où il devrait aller, laissant le choix à Diddy. Diddy mentionne que Bieber passe 48 heures avec lui, en référence au film 48 heures. Il dit que lui et Bieber s'amusent comme des fous. Cependant, Diddy a précisé qu'il ne révélerait pas grand-chose sur ce qu'il faisait réellement. Bieber, vêtu d'une casquette de baseball noire et d'une chemise violette, peut être vu en train de sourire et de regarder Diddy tout au long de leur échange. Bieber fait de petits commentaires comme « ouais » et « complètement fou », semblant aller de pair avec l'énergie du moment. Dans la même vidéo, Diddy plaisante sur le fait qu'il a la garde de Justin Bieber pendant 48 heures, même s'il n'en a pas la tutelle légale. Il raconte comment il a participé à l'élaboration du premier album d'Usher et mentionne que pendant les prochaines 48 heures, lui et Bieber vont devenir complètement fous et s'amuser comme des fous. Lorsqu'on lui demande ce qu'il devrait faire, Bieber suggère de trouver des filles avec qui sortir, ce à quoi Diddy répond avec enthousiasme, félicitant Bieber de penser comme lui. Si le clip a pu sembler inoffensif à l'époque, il a maintenant suscité une vague de critiques et d'inquiétudes sur les médias sociaux. Beaucoup s'interrogent sur la nature de l'influence de Diddy sur le jeune Bieber, surtout à la lumière des accusations troublantes qui pèsent sur le magnat de la musique. Dans un autre clip qui a refait surface, on voit Diddy confronter Bieber, qui avait 16 ans à l'époque, en lui demandant pourquoi la jeune star n'était pas restée en contact aussi souvent, demande Diddy d'un ton enjoué mais précis. Dans le clip, Bieber semble visiblement anxieux lorsqu'il répond aux commentaires de Diddy. À l'époque, Justin Bieber n'était encore qu'un enfant, lorsqu'il a commencé à se lier d'amitié avec le magnat de la musique, beaucoup plus âgé que lui. Dans une vidéo de 2010, Diddy fait de Bieber un membre honoraire de l'équipe de Dirty Money et lui donne même une leçon de swag walk, une façon de marcher avec confiance tout en repoussant la négativité ou la haine. Diddy explique que cette démarche cool est celle qu'ils utiliseront lorsqu'ils sortiront ensemble, surtout après des événements comme le concert de Cher, et qu'elle les aidera à impressionner les femmes. Diddy encourage Bieber à maîtriser cette démarche pour améliorer son image dans des endroits comme Times Square. En mars 2015, Diddy a joué un rôle important dans un autre moment de la vie de Bieber. Le jour de son 21e anniversaire, Diddy a offert à Bieber son premier verre d'alcool. Les deux ont été vus en train de boire des verres de tequila ensemble, marquant une étape importante pour Bieber sous la direction du rappeur. Dans une vidéo de mars 2016, Diddy a surpris Justin Bieber en lui offrant une veste Bad Boy Entertainment pour son 22e anniversaire. Bieber, un peu étourdi mais visiblement ravi, a reçu le cadeau du producteur de disques avec un grand sourire. En 2021, une autre vidéo montre Diddy et Bieber en train de s'embrasser chaleureusement. Cependant, avant qu'ils ne s'embrassent, Diddy semble demander quelque chose à Bieber et lui fait une rapide palpation de la poitrine. Après s'être assuré que tout allait bien, les deux ont partagé une accolade plus longue.
Certains téléspectateurs ont supposé que Diddy avait peut-être vérifié la présence d'un câble, ce qui a ajouté une couche de suspicion à leur interaction. Diddy a récemment fait savoir que Justin Bieber était l'un des artistes figurant sur son album The Love Album, Off the Grid. Il a exprimé son admiration pour Bieber, qu'il considère comme l'une des plus grandes superstars du monde. Diddy s'est souvenu de sa rencontre avec Bieber alors qu'il n'était qu'un enfant jouant de la guitare dans la rue. Il a déclaré « Je suis honoré de l'appeler un ami cher et un frère. Je n'ai jamais eu la chance de travailler avec lui jusqu'à maintenant. Dieu est le plus grand. » En réponse, Bieber a également parlé chaleureusement de sa collaboration avec Diddy. Il l'a décrit comme un moment de plénitude. Sur son Instagram Story, Bieber s'est souvenu d'une époque où il n'avait que 14 ans et où il s'était rendu au bureau de Diddy pour lui présenter une chanson qu'il avait écrite. Il a admis avec humour « Malheureusement, la chanson était nulle, haha. » Réfléchissant à la façon dont les choses ont changé, il a ajouté « Avance rapide jusqu'à il y a quelques années, Paf m'a demandé si je pouvais faire un freestyle pour son prochain album d'amour. Le cercle est bouclé, je t'aime à Diddy. » L'ambiance autour des interactions passées entre Bieber et Diddy a radicalement changé avec l'arrestation de Diddy et les graves allégations à son encontre. Arrestation et allégations de Diddy. Le 16 septembre 2024, Diddy est arrêté à l'hôtel Park Hyatt de Manhattan, à New York. L'arrestation s'accompagne de graves accusations fédérales, notamment de racket, de trafic sexuel et de transport en vue de se livrer à la prostitution. On se souvient que les autorités ont découvert et saisi 3 fusils AR, 15 et 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiant lors d'une perquisition à ses domiciles de Miami et de Los Angeles en mars dernier. Cette fois, l'acte d'accusation qui a été dévoilé récemment révèle que Diddy est accusé d'avoir abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres personnes de son entourage à satisfaire ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler ses actes. L'acte d'accusation ajoute également que le musicien s'est appuyé sur les employés, les ressources et l'influence de l'empire commercial à multiples facettes qu'il contrôlait et a créé une entreprise criminelle dont les membres et les associés se sont livrés ou ont tenté de se livrer, entre autres, au trafic sexuel, au travail forcé, à l'enlèvement, à l'incendie criminel, à la corruption et à l'obstruction à la justice. L'acte d'accusation affirme que les abus allaient du verbal à l'émotionnel, au physique et au sexuel. Il ajoute « Diddy manipulait les femmes pour qu'elles participent à des spectacles hautement orchestrés d'activités sexuelles avec des travailleurs du sexe masculin. » Elle affirme que les abus de Diddy étaient largement connus et qu'ils se sont produits à de nombreuses reprises, au moins à partir de 2009 ou vers cette date, et ce pendant des années. Selon les documents, Diddy est accusé d'avoir agressé violemment des femmes de diverses manières, notamment en les frappant, en leur donnant des coups de poing, en les traînant et même en leur jetant des objets. Ces actes troublants auraient été observés par d'autres personnes. Et un incident particulier, qui s'est déroulé dans un hôtel de Los Angeles en mars 2016, a même été filmé par une caméra. Les documents allèguent également que Diddy a tenté de soudoyer la sécurité de l'hôtel pour qu'elle garde le silence sur ses actes. Son comportement violent ne se limiterait pas aux femmes, mais s'étendrait également à ses employés, aux témoins des abus et à d'autres personnes de son entourage. Les allégations dressent le portrait d'une personne qui utilise à la fois l'argent et l'intimidation pour dissimuler les actes répréhensibles qu'elle est censée commettre. Une plainte similaire contre Diddy a été déposée le 26 février 2024 à New York par le producteur Rodney Lil Rod Jones. Lil Rod a affirmé avoir été poussé à faire des avances non désirées par les associés de Diddy, agissant sous sa direction. Selon Lil Rod, il a été forcé d'avoir des relations avec des travailleuses du sexe engagées par Diddy, ce qui montre clairement qu'il s'est senti contraint à ces rencontres. Le producteur, qui a été employé par Diddy de septembre 2022 à novembre 2023, a affirmé que ce dernier l'avait harcelé sexuellement, drogué et menacé pendant plus d'un an. En septembre 2022, Lil Rod a affirmé que Diddy lui avait demandé de travailler sur The Love Album, Off the Grid. Malheureusement, le producteur a déclaré qu'il n'avait jamais été payé pour son travail sur l'album. Il a indiqué qu'il disposait de preuves vidéo et audio montrant Diddy, son personnel et d'autres personnes impliquées dans de graves activités illégales. Le procès identifie l'ancienne petite amie du rappeur 50 Cent et la mère de l'un de ses enfants, Daphne Joy, comme l'une des travailleuses du sexe présumé. L'action en justice affirme que Diddy organisait régulièrement des fêtes où des mineurs étaient présentes et où des drogues illégales étaient consommées. Elle suggère également que certains dirigeants de maisons de disques qui ont ignoré ces activités pourraient en avoir tiré un avantage financier. Ils auraient bénéficié d'un accès privilégié à des célébrités et à des personnalités importantes, dont le prince Harry. Il est important de préciser que le prince Harry n'est accusé d'aucun acte répréhensible. Rien n'indique qu'il ait participé à ces fêtes ou qu'il ait été impliqué dans des activités illégales. En réponse, les avocats de Diddy soutiennent que les affirmations de Rod sont fausses et dépourvues de faits, affirmant qu'il n'a pas fait une seule réclamation viable contre Diddy et les autres défendeurs. Entre-temps, une vidéo a refait surface, montrant Diddy admettant avoir enfermé des femmes. En 2002, Diddy a participé à l'émission « Late Night with Conan O'Brien »,
et a expliqué ce qui rendait ses soirées légendaires. Cependant, ses conseils ont pris une tournure sombre lorsqu'il a décrit certaines des activités troublantes qui se déroulaient lors de ces événements. Lors de l'interview télévisée, Diddy a déclaré « Le rappeur a ensuite ajouté l'alcool et l'eau à la liste des ingrédients parfaits pour une fête de Diddy. » Interrogé sur ce que Diddy voulait dire par son commentaire, le magna de la musique a répondu « Si la blague de Diddy a fait rire Conan et le public à l'époque, elle semble aujourd'hui troublante. » Conan, l'animateur de l'émission, a semblé un peu mal à l'aise avec les réponses de Diddy et a fait remarquer que ce dernier avait l'air dangereux. Diddy a répondu en disant que c'était pervers, puis a continué avec ses conseils pour la fête. Diddy a poursuivi. Conan est intervenu en disant que les commentaires de Diddy étaient dégoûtants, espérant que cela l'inciterait à arrêter. Mais, contrairement aux attentes de Conan, Diddy a continué sans hésiter. Diddy a poursuivi en disant qu'une grande fête a aussi besoin d'une bonne musique. Il a insisté sur le fait qu'il était un élément crucial de l'équation, précisant qu'il pensait qu'aucune fête n'était complète sans lui. Conan a ensuite demandé à Diddy si de grands noms d'Hollywood s'étaient déjà présentés à ses soirées. Diddy a répondu que la top modèle Naomi Campbell et l'actrice Martha Stewart avaient toutes deux assisté à l'une de ses réunions à New York. Il a également mentionné que Henry Winkler, célèbre pour son rôle dans Happy Days, avait fait une apparition à l'une de ses soirées. Diddy a partagé toutes ces informations avec une pointe de fierté, ce qui montre clairement sa satisfaction de voir que des célébrités aussi connues ont participé à ces événements sociaux. Entre-temps, Diddy a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Son équipe juridique a demandé une libération sous caution, proposant de payer 50 millions de dollars et de le placer sous surveillance électronique. Cependant, le tribunal a rejeté leur demande et Diddy reste en détention. Selon TMZ, l'assistante du procureur Emily Johnson a fait valoir que Diddy ne devrait pas être libéré parce qu'il pourrait essayer d'influencer ou d'intimider des témoins dans le cadre de l'affaire. Madame Johnson a souligné les armes trouvées dans les domiciles de Diddy à Miami et à Los Angeles, affirmant qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question de sécurité, mais aussi de son potentiel de danger. Elle a également déclaré que Diddy aurait contacté des personnes impliquées dans l'affaire, notamment la chanteuse Kalena Harper, qui l'aurait appelée 128 fois. Après avoir entendu les deux parties, le juge du district américain Andrew Carter a décidé de rejeter la demande de mise en liberté sous caution de Diddy. Il a déclaré que le gouvernement avait démontré que Diddy représentait une menace. La star de I'll Be Missing You sera placée en détention provisoire au Metropolitan Detention Center de New York après le rejet de sa demande de libération sous caution. Diddy a bu une grande gorgée d'une bouteille d'eau avant d'être conduit hors de la salle d'audience, sans menottes. En partant, il a jeté un coup d'œil à sa famille dans le public. Diddy fait également l'objet d'une demi-douzaine d'autres actions en justice, avec des accusations allant de l'agression sexuelle à la toxicomanie, en passant par les coups et blessures. En mai, il a réglé une affaire avec son ex, la chanteuse Cassie Ventura. Entre-temps, des enquêteurs fédéraux mènent une enquête sur le trafic sexuel à son encontre. Alors que les démêlés judiciaires de Diddy se poursuivent, l'attention se porte désormais sur les détails troublants de ses prétendues soirées « Freak Off » qui sont au cœur de l'enquête en cours et des accusations choquantes dont il fait l'objet. Les soirées « Freak Off » de Diddy. La danseuse topless Rachel Kennedy a porté plainte contre Diddy, affirmant qu'il l'avait invitée, elle et ses amis, à une fête dans les années 2000. Elle a raconté au Poste qu'elle et ses deux amis étaient arrivés dans la chambre d'hôtel de Diddy, enthousiastes à l'idée d'assister à l'événement. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été surpris de constater que Diddy était la seule personne dans la chambre. Il n'y avait pas de fête, pas d'autres invités, seulement Diddy. Kennedy et ses amis sont déconcertés par la situation, qui est loin de correspondre à ce à quoi ils s'attendaient. À ce moment-là, ils savaient qu'il s'agirait d'une fête d'un seul homme. Madame Kennedy a également révélé qu'elle et ses amis avaient consommé de la cocaïne cette nuit-là, pensant se rendre à une fête animée. Selon elle, Diddy n'a pas participé à la consommation de drogue. Au contraire, il a fait comprendre que la soirée était organisée pour quelque chose de complètement différent, qu'il appellera plus tard « Freak Offs ». À ce moment-là, Kennedy et ses amis n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Les « Freak Offs » seraient des performances sexuelles élaborées et hautement orchestrées, organisées par Diddy. Selon certaines informations, Diddy dirigeait les actes et y participait souvent tout en se masturbant et en les enregistrant. Certaines de ces séances étaient si intenses et prolongées qu'elles pouvaient durer plusieurs jours. En raison de la forte consommation de drogue et des exigences physiques, Diddy et ses victimes auraient eu besoin de fluides intraveineux pour se remettre de l'expérience. Kennedy se souvient que Diddy s'est vanté de pouvoir faire passer de la marijuana à l'aéroport sans problème en disant « Il n'a pas besoin de la cacher ». Elle a également remarqué de la marijuana dans la chambre d'hôtel lors de leur visite. À cette époque, Diddy est au sommet de sa gloire. Sa carrière est montée en flèche grâce à des succès mondiaux comme « I'll Be Missing You » en 1997 et « Bad Boy for Life » en 1901. Il est l'un des plus grands noms de l'industrie musicale, non seulement en tant que rappeur, mais aussi en tant que directeur de maison de disques et entrepreneur.
Cependant, sa vie n'a pas été exempte de controverses. En 1999, il a été impliqué dans une fusillade meurtrière dans une boîte de nuit, ce qui a contribué à sa notoriété. Malgré cela, sa notoriété est restée intacte, faisant de lui un acteur incontournable du monde du spectacle. Par ailleurs, Didi sortait avec Jennifer Lopez, l'une des femmes les plus belles et les plus connues au monde. Kennedy se souvient que Didi a commencé à leur montrer des vidéos de clips musicaux de Lopez. Pour elle et ses amis, il était étrange qu'au milieu de cette prétendue fête, Didi s'obstine à leur montrer d'interminables clips du travail de J-Lo. Kennedy, toujours inconscient de ce qui allait se passer, a accepté à contre-cœur, même si cela lui paraissait bizarre de leur montrer des vidéos de sa petite amie, alors qu'il se trouvait avec lui dans sa chambre d'hôtel. Elle a ajouté qu'après avoir passé un certain temps à regarder des vidéos, Didi l'a invité, ainsi qu'une amie, dans sa chambre à coucher. Selon elle, il n'a pas beaucoup apprécié l'autre fille, qui est donc restée dans le salon de la suite pendant que les autres allaient dans la chambre. Cela s'est produit pendant un certain temps. Il nous a invités, mon ami et moi, dans sa chambre à coucher. Il n'aimait pas l'autre fille. Une fois dans la chambre à coucher, les choses se sont aggravées. Kennedy a expliqué qu'ils ont commencé à se livrer à des fellations sur son lit. Elle se souvient très bien qu'au moment où ils ont terminé, Didi étant toujours nu, son chef de la sécurité est entré brusquement. Le garde du corps de Didi se serait montré agressif avec elle et ses amis, et Didi ne serait pas intervenu. Selon Madame Kennedy, le garde du corps a commencé à essayer de les faire sortir de force de la pièce, et elle a eu l'impression qu'on pouvait leur faire du mal. Elle l'a décrit comme très énergique et a dit qu'il voulait juste partir le plus vite possible. Kennedy soupçonne qu'il s'agit d'un coup monté. Elle se demandait qui d'autre aurait pu avoir accès à la chambre d'hôtel privée de Didi alors qu'il était en relation avec eux. Elle a également noté que Didi n'a pas dit un mot pendant l'incident. Au lieu de cela, il s'est habillé tranquillement pendant que le garde du corps continuait à les pousser dehors. Madame Kennedy a estimé qu'il s'agissait d'un exemple classique de mentalité de gang où une personne gère la situation tandis que l'autre la soutient, ce qui rend la situation d'autant plus effrayante. Par ailleurs, dans des images refaites d'un épisode de 2018 du Breakfast Club, Didi est resté momentanément sans voix après que les animateurs ont diffusé un clip audio de lui lors d'une fête à Miami. Le clip montre Didi, apparemment ivre-mort, faisant un commentaire étrange sur les hommes qui se démènent pour obtenir de la merde. Le moment est devenu un échange léger dans l'émission de Charlamagne Tha God, où les animateurs ont taquiné Didi à propos de ses frasques. À l'époque, le clip audio avait fait rire les gens. Mais depuis l'arrestation de Didi pour trafic sexuel, il est aujourd'hui perçu très différemment. Avec les allégations selon lesquelles il aurait contraint ses victimes à de longs et épuisants « freak-off » sexuels, le clip prend un ton plus troublant. Cependant, en entendant l'enregistrement, Didi a été visiblement pris au dépourvu. Son comportement a changé rapidement. Avant que le clip ne soit diffusé, Didi avait parlé de son état d'ébriété lors d'une fête à Miami et avait admis qu'il ne se souvenait pas vraiment de ce qu'il disait. Charlamagne, Tha God, lui a alors posé la question. Bien que Didi ait insisté sur le fait qu'il l'aimerait, il a eu du mal à expliquer les commentaires une fois que l'audio a été diffusé. Charlamagne, Tha God, a répété la remarque de Didi sur le fait qu'il se démène pour trouver de la merde, en riant, montrant clairement que les déclarations antérieures de Didi faisaient désormais partie de la conversation. L'air confus, Didi s'est contenté de répondre par une remarque discrète. On ne sait pas exactement pourquoi il s'est emporté. Didi a été filmé en train de frapper des femmes, accusé d'avoir organisé des fêtes débridées au cours desquelles des femmes ont dû être mises sous perfusion, et il serait également bisexuel selon des allégations selon lesquelles il coucherait avec des hommes. Ce n'était pas la première fois que Charlamagne, Tha God et Didi avaient une interaction tendue. L'animateur radio a raconté une anecdote au sujet d'un conflit qui l'a opposé à Didi en 2010. Cela s'est passé après la sortie de l'album Last Train to Paris de Didi. Charlamagne avait qualifié l'album de Shake Weight Music, ce qui n'avait apparemment pas plu à Didi. Charlamagne Tha God a raconté une confrontation mémorable avec Didi. Il a déclaré qu'il n'oublierait jamais la façon dont Didi lui a crié dessus. Charlamagne a expliqué que cet incident s'est produit avant qu'il ne comprenne pleinement l'influence de sa plateforme. Tout a commencé lorsqu'il a décerné le prix Donkey of the Day à l'album Last Train to Paris de Didi. Selon lui, Didi s'est présenté à la station de radio extrêmement contrarié, demandant même à Charlamagne d'utiliser la porte de derrière pour partir. Au cours de leur conversation sur la situation, Didi a dit à Charlamagne qu'il ne pouvait pas lui faire ça, surtout pas la première semaine après la sortie de l'album. Alors que Didi attend son procès en prison, son équipe d'avocats s'est fait entendre pour le défendre, insistant sur le fait que le rappeur est innocent. Lors d'une récente interview avec l'animateur Chris Cuomo sur News Nation's Cuomo, l'avocate de Didi, Tenny Geragos, a rejeté les accusations portées contre lui. Elle a réfuté les allégations concernant les soi-disant « freak-offs », affirmant que ces événements faisaient simplement partie du style de vie de Didi et qu'il n'avait rien de criminel. Geragos a continué à défendre Didi au cours de l'interview, déclarant que l'absence de toute mention du non-consentement au cours de la procédure judiciaire pouvait être considérée comme un point critique en faveur du rappeur.
Elle a rappelé que le fait de s'engager dans des modes de vie ou des fêtes non conventionnelles, bien que potentiellement choquant pour certains, n'équivaut pas automatiquement à une activité illégale. Un mode de vie et la participation à des activités ne signifient pas qu'il a commis un crime. Ces activités et ce mode de vie ne sont, sic, pas criminels. Geragos s'est dit convaincu de l'innocence de Didi, affirmant que les allégations étaient basées sur des exagérations de son style de vie extravagant. Elle a souligné que les fêtes de Didi, souvent appelées « freak-offs », étaient bien connues dans l'industrie du divertissement, mais a insisté sur le fait qu'il s'agissait de rassemblements consensuels où tous les participants étaient des adultes consentants. « Ce qui est remarquable aujourd'hui, ce que mon partenaire Marc a dit au tribunal, c'est qu'ils n'ont jamais dit que ces femmes n'avaient pas consenti à ce qui s'est passé. Pas une seule fois. » Alors que Bieber a pris ses distances avec Didi, les allégations en cours jettent une ombre sombre sur leur amitié, autrefois célèbre. L'avenir nous dira ce qu'il en est. Cliquez sur la carte qui s'affiche à l'écran pour accéder à d'autres vidéos. C'est fou que le juge de Didi ait dit qu'il n'allait pas lui accorder la liberté sous caution, parce que l'homme pourrait envoyer des messages codés à ses employés et échapper à nouveau à la loi, comme il le fait depuis plusieurs décennies. Cela peut sembler sévère, mais je suis sûr qu'une fois que le juge a vu l'étendue de l'influence de Didi auprès des dirigeants d'Universal Music Group, des politiciens, des stars de la NBA et bien d'autres, il a dû le garder sous les verrous. Il n'y a qu'une chose suspecte cependant. Pourquoi aurait-il envoyé Didi dans la même prison où Epstein est mort et placé mon homme sous surveillance en cas de suicide ? Attendez, car ce que je vais vous montrer est fou. Et ça commence par ces messages codés. Didi envoie un message codé à ses employés. Sean Diddy Combs, un nom synonyme de succès dans l'industrie musicale, se trouve aujourd'hui empêtré dans un réseau de problèmes juridiques qui pourraient ternir son héritage à jamais. L'histoire a commencé à s'effilocher lorsque le juge de district Andrew Carter a exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la possibilité que Didi envoie des messages codés à ses employés, ce qui pourrait constituer une entrave à la justice. Cette inquiétude a joué un rôle important dans la décision du juge de maintenir Didi derrière les barreaux, malgré les efforts de son équipe de défense pour obtenir sa libération sous caution. Les ennuis judiciaires de Didi reposent sur une série d'allégations graves, dont le trafic sexuel, le transport illégal de personnes à des fins sexuelles et l'organisation d'une conspiration de racket. Les procureurs fédéraux de Manhattan ont dressé le portrait inquiétant d'un homme qui aurait eu recours à la drogue, à la violence et aux menaces pour contraindre des femmes à avoir des relations sexuelles. L'acte d'accusation, dont les scellés ont été levés en septembre 24, affirme que pendant plus d'une décennie, Didi a orchestré une série de freak-offs, des spectacles sexuels hautement orchestrés, généralement organisés dans des hôtels et même sur des yachts. L'une des preuves les plus accablantes est une vidéo de sécurité datant de 26 ans, montrant Didi en train de battre sa compagne de l'époque, la chanteuse de R&B Cassandra Cassie Ventura, dans un couloir d'hôtel. Ventura est la principale victime identifiée dans l'acte d'accusation et cette vidéo a été décrite par le juge comme « très troublante ». On y voit Didi traîner Ventura dans sa chambre d'hôtel après l'avoir battue, une scène que le procureur fédéral Emily Johnson a décrite comme une preuve irréfutable de trafic. Lors d'une audience au tribunal, Johnson a divulgué de nouveaux détails, plus extrêmes, sur l'incident survenu à l'hôtel 26 avec Ventura, qui, selon elle, a fait suite à un « freak-off ». Selon Madame Johnson, une travailleuse du sexe est restée dans la chambre d'hôtel pendant que Didi attaquait Ventura dans le couloir. Elle a insisté sur le fait que l'activité freak-off est au cœur de cette affaire et qu'une telle activité est intrinsèquement dangereuse. Bien que Didi se soit apparemment excusé pour cette agression dans le couloir, cela n'a pas pu l'empêcher de faire sortir les autres victimes de l'ombre. Dans une autre révélation effrayante, Johnson a lu à haute voix des messages textuels d'une victime présumée, corroborant les agressions commises par Didi. Ces messages contenaient des déclarations telles que « J'ai des coupures béantes, tu m'as frappé deux fois à la tête » et « Je ne suis pas une poupée de chiffon, je suis l'enfant de quelqu'un ». Ces textes brossent un tableau déchirant des abus et des manipulations prétendument orchestrées par Didi. L'avocat de Didi, Marc Agnifilo, a plaidé en faveur de la libération de son client en proposant une caution majorée qui incluait la remise de son passeport, la mise en garantie de sa maison de Miami d'une valeur de 48 millions de dollars et l'acceptation d'une surveillance constante. Malgré ces mesures, le juge Carter n'a pas été convaincu, craignant que Didi n'utilise encore ses employés pour envoyer des messages codés et faire obstruction à la justice. L'enquête criminelle sur Didi a été déclenchée par un procès civil intenté par Cassandra Ventura en novembre 2023. Bien que Didi ait réglé le procès pour une somme importante non divulguée, les allégations ont continué à le hanter, ce qui a conduit à ce procès pénal aux enjeux considérables. Le procureur Emily Johnson a mis l'accent sur l'énorme quantité de preuves contre Didi, y compris son prétendu barrage de textes et d'appels téléphoniques aux témoins au cours des 10 mois qui ont suivi la publication des allégations de Ventura. Emily Johnson a affirmé que Didi avait contacté les victimes des dizaines de fois, en essayant de leur faire croire qu'elles s'étaient engagées de leur plein gré dans des actes sexuels consensuels. Agnifilo a répliqué en insistant sur le fait
que la vidéo de l'hôtel où Didi a agressé Ventura devait être considérée dans le contexte d'une relation consensuelle, bien que toxique, et non comme faisant partie d'un trafic sexuel. Il a soutenu que le fait d'impliquer une tierce personne dans leur comportement sexuel était leur truc, une déclaration qui a semblé déconcerter le juge. Le juge Carter n'a toutefois pas été convaincu. Il s'est demandé pourquoi l'exemple de violence filmée, que Didi a admis et pour lequel il s'est excusé sur les médias sociaux, ne devrait pas être une indication qu'il est un danger pour les gens autour de lui. Qu'est-ce que l'amour a à voir là-dedans ? S'est moqué Carter, soulignant la gravité de la situation. Didi est actuellement détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, une prison tristement célèbre qui a accueilli d'autres accusés criminels de premier plan, comme Sam Bankman-Fried, R. Kelly et Ghislaine Maxwell. Les conditions de détention sont loin du style de vie luxueux auquel Didi est habitué, ce qui ajoute une nouvelle dimension dramatique à cette histoire déjà sensationnelle. Le Metropolitan Detention Center de Brooklyn est tristement connu sous le nom d'Enfer sur Terre. Cette prison fédérale est devenue synonyme de conditions horribles, de violences endémiques et de décès choquants. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les sombres réalités auxquelles sont confrontés les détenus, y compris des détenus très connus comme Sean Diddy Combs, qui cherche désespérément à éviter cet établissement cauchemardesque. De la grave pénurie de personnel aux fermetures quasi perpétuelles, la prison fédérale de Brooklyn est un lieu où la survie est un combat quotidien. Le Metropolitan Detention Center de Brooklyn, souvent appelé MDC Brooklyn, a été créé au début des années 1990 par le Bureau fédéral des prisons. Situé près du port de New York, dans la zone industrielle de Sunset Park, cet établissement a été conçu pour servir de centre de détention fédéral, principalement pour les personnes en attente d'un procès devant les tribunaux fédéraux de Manhattan ou de Brooklyn. Il sert également de centre de détention à court terme pour les personnes condamnées pour des crimes fédéraux. Lorsque le 1600 de Brooklyn a ouvert ses portes, il a été conçu comme un établissement ultra-moderne qui offrirait un environnement sûr et humain aux détenus. La prison était dotée de divers équipements destinés à favoriser le bien-être et la réadaptation des détenus. Il s'agit notamment d'installations de loisirs en plein air, d'une unité médicale avec des salles d'examen, d'un cabinet dentaire complet, d'une aile séparée pour les programmes éducatifs et de la bibliothèque de la prison. L'établissement offrait tout ce que l'on pouvait attendre d'un centre de réinsertion temporaire, mais la réalité est souvent décevante. La réalité de la vie à l'intérieur du MDC de Brooklyn s'est considérablement éloignée de l'objectif visé. Au fil des ans, l'établissement a acquis une réputation tristement célèbre en raison de ses conditions horribles, de sa violence endémique et de ses nombreux décès. Les commodités autrefois prometteuses ont été éclipsées par les sombres réalités auxquelles sont confrontés les détenus au quotidien. L'un des problèmes les plus flagrants du MDC de Brooklyn est la grave pénurie de personnel qui affecte l'établissement. En novembre 2023, la prison fonctionnait à environ 55% de ses effectifs, ce qui mettait à rude épreuve les employés restants et compromettait la sécurité. Cette pénurie a conduit à des fermetures presque perpétuelles, où les détenus sont confinés dans leurs cellules pendant de longues périodes, souvent sans accès aux visites, aux appels, aux douches ou à l'exercice. Le trafic généralisé de drogue et d'autres produits de contrebande a encore exacerbé les problèmes du MDC de Brooklyn. Certains employés ont été accusés d'avoir accepté des pots de vin et d'avoir fourni des produits de contrebande tels que de la drogue, des cigarettes et des téléphones portables aux détenus. Le Metropolitan Detention Center de Brooklyn est devenu tristement célèbre pour sa myriade de problèmes, parmi lesquels une violence endémique, de graves problèmes d'infrastructure et une réponse peu convaincante de la part du système judiciaire et du Bureau des prisons. Ces problèmes ont créé un environnement où la survie est une lutte quotidienne pour les détenus, ce qui a entraîné de nombreux décès et suicides. L'un des problèmes les plus urgents du MDC de Brooklyn est la violence endémique qui y règne. En juin, Uriel White, 37 ans, a été brutalement poignardé à mort dans la prison. Un mois plus tard, Edwin Cordero, âgé de 36 ans, est décédé après avoir été blessé lors d'une violente rixe. Ces incidents ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans un schéma de violence inquiétant qui affecte l'établissement depuis des années. Au moins 4 personnes détenues au MDC de Brooklyn se sont suicidées au cours des 3 dernières années, ce qui met en évidence le lourd tribut mental et émotionnel que les conditions de détention imposent aux détenus. L'infrastructure du 1600 de Brooklyn est également en mauvais état. En 2019, une panne d'électricité d'une semaine a laissé les détenus grelottant dans leurs cellules, provoquant des troubles et suscitant l'inquiétude des autorités fédérales de surveillance. La réponse de l'établissement à cette crise a été largement critiquée, car les détenus se sont retrouvés sans chauffage ni électricité en plein hiver. La pandémie de COVID-19 a encore mis en lumière les vulnérabilités de l'établissement. En mars 2002, le MDC de Brooklyn a signalé que le premier détenu fédéral avait été testé positif au COVID-19, ce qui a entraîné d'autres fermetures et mesures d'isolement. Et ces détenus ne sont pas des détenus ordinaires. Le MDC de Brooklyn accueille un certain nombre de détenus célèbres, dont R. Kelly, Ghislaine Maxwell, Michael Cohen, le fraudeur en crypto-monnaie Sam Bankman-Fried et le rappeur Fetty Wap,
Diddy étant le dernier détenu célèbre à avoir été enfermé dans ce centre. On est loin de l'hôtel de Manhattan à 1 500 $ la nuit que Combs avait réservé en prévision de sa libération sous caution, sans parler du manoir de Miami Beach à 48 millions $ que ses avocats ont tenté de mettre en garantie de sa libération. Mais quel genre de crime pervers doit-on commettre pour être envoyé dans cet établissement de l'enfer sur Terre? Examinons de plus près ce secret hollywoodien très médiatisé, ainsi que les freak-offs de Diddy. Les freak-offs de Diddy. L'homme qui régnait autrefois sur l'industrie musicale se retrouve aujourd'hui au cœur d'un scandale qui laisse tout le monde sans voix. Des allégations de trafic sexuel et de rackets aux détails choquants de ses freak-offs, cette histoire est à couper le souffle car elle implique des drogues illégales, de la prostitution, ainsi qu'une quantité malsaine d'huile pour bébé. La première fissure publique dans la façade apparemment parfaite de Diddy est apparue fin 2023 lorsque Cassandra Cassie Ventura, son ex-petite amie, a intenté un procès civil contre lui. Cassie, chanteuse et mannequin, a entretenu une relation avec Diddy pendant plus de 10 ans. Elle affirme que Diddy l'a soumise à des années d'abus physiques, sexuels et émotionnels. Selon Cassie, Diddy la forçait souvent à se livrer à des actes sexuels avec d'autres hommes pendant qu'il regardait et enregistrait les rencontres. Elle affirme qu'il la droguait pour la rendre plus docile et que ses abus l'ont traumatisée et fait craindre pour sa vie. L'action en justice a été réglée à l'amiable le lendemain de son dépôt, mais elle a ouvert les vannes. À la suite du courageux geste de Cassie, 9 autres personnes ont fait part de leurs propres allégations d'abus à l'encontre de Diddy. L'acte d'accusation fédérale, dont les scellés ont été levés mardi, fournit des détails encore plus troublants. L'accusation a soutenu que Diddy avait créé une entreprise criminelle pour satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler ses agissements. Selon l'acte d'accusation, cette entreprise s'est livrée ou a tenté de se livrer au trafic sexuel, au travail forcé, à l'enlèvement, à l'incendie criminel, à la corruption et à l'obstruction à la justice. L'acte d'accusation affirme que Diddy a abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres personnes de son entourage, utilisant son pouvoir pour intimider et contrôler ses victimes. L'un des aspects les plus choquants de l'acte d'accusation est la mention des freak-offs. Selon l'accusation, Diddy utilisait son pouvoir pour intimider, menacer et attirer ses victimes féminines dans son orbite, souvent sous le prétexte d'une relation amoureuse. Une fois qu'elles étaient sous son contrôle, il les forçait à participer à des freak-offs avec des travailleurs du sexe masculin. Ces événements ont été décrits comme des performances sexuelles élaborées et produites que Combs organisait, dirigeait, pendant lesquelles il se masturbait et qu'il enregistrait souvent électroniquement. Les freak-offs pouvaient durer plusieurs jours, au cours desquels Combs aurait distribué une variété de substances contrôlées pour que les victimes restent obéissantes et dociles. Pour se remettre de l'effort physique et de la consommation de drogue, Combs et ses victimes auraient reçu des fluides intraveineux après ces événements. Ces allégations reflètent celles formulées par Cassie dans sa plainte civile. Elle a déclaré qu'on lui avait donné de l'ecstasy, de la cocaïne, du GHB, de la kétamine, de la marijuana et de l'alcool en quantité excessive pour qu'elle se dissocie des autres lorsqu'elle se livrait à des actes sexuels avec des travailleuses du sexe sous la direction de Combs. L'une des défendresses, Christina Coram, est la chef de cabinet de Diddy et de ses Global Enterprises. Elle est en quelque sorte l'Alfred du Batman de Diddy. Coram demandait à tous ses employés, du majordome au chef cuisinier en passant par les femmes de ménage, de se promener avec une pochette ou un sac banane rempli de cocaïne, de GHB, d'ecstasy, de gomme de marijuana et de Toussi, une drogue rose qui est une combinaison d'ecstasy et de cocaïne. Il était important pour Coram d'avoir la drogue de prédilection de M. Combs immédiatement prête lorsqu'il la demandait. Coram était également chargé de faciliter l'embauche de travailleurs du sexe et de trouver des lieux pour les freak-offs de Combs. En mars, des agents fédéraux ont perquisitionné les domiciles de Combs à Los Angeles et à Miami. Les procureurs affirment qu'ils ont saisi des fournitures pour freak-off, dont des drogues et plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiants. Dans sa plainte, Cassie affirme que les assistants de Combs étaient chargés de remplir les chambres d'hôtel d'huile pour bébé et d'astroglide avant les freak-off. Elle affirme que lors de ces événements, Combs lui demandait de se verser des quantités excessives d'huile sur elle-même. Alors que les accusations portées contre Sean Diddy Combs continuèrent de faire surface, un schéma inquiétant a commencé à émerger, impliquant non seulement Diddy lui-même, mais aussi ses employés. Selon l'acte d'accusation fédérale, les employés de Diddy ont joué un rôle crucial en facilitant et en dissimulant ses activités criminelles présumées. Ces employés, qui étaient censés être des professionnels travaillant dans l'industrie du divertissement, seraient devenus les complices d'un réseau d'abus et d'exploitation. Mais leur implication ne s'arrêtait pas à la logistique. Les procureurs affirment que les employés de Diddy étaient témoins des violences commises à l'encontre de ses victimes et n'intervenèrent pas. Au lieu d'aider les victimes, ils auraient contribué à dissimuler les violences et les abus. Selon l'acte d'accusation, il est arrivé qu'une victime doive rester cachée pendant plusieurs jours pour se remettre des blessures infligées par Diddy sans être observée publiquement.
Ces employés auraient empêché les victimes de quitter le lieu où elles avaient été agressées, les enfermant de fait dans un cycle d'abus. À la suite du procès intenté par Cassandra Cassie Ventura contre Didi, fin 2023, la pression exercée sur les témoins et les victimes s'est intensifiée. L'acte d'accusation affirme que Didi et ses associés ont fait pression sur les témoins et les victimes, y compris par des tentatives de corruption, pour qu'ils gardent le silence et ne rapportent pas ce qu'ils ont vécu ou su aux forces de l'ordre. Cette intimidation et cette coercition présumée visaient à protéger la réputation de Didi et à empêcher la vérité d'éclater au grand jour. Lorsque des employés menaçaient l'autorité ou la réputation de Didi, l'acte d'accusation affirme que Didi et ses autres associés exerçaient des représailles sous la forme d'actes de violence, de menaces de violence, de menaces d'atteinte à l'intégrité financière et à la réputation, et d'agressions verbales. Les conséquences de la publication de ces allégations ont été tout simplement explosives. L'industrie du divertissement, les fans et le grand public ont été ébranlés par les détails choquants. L'arrestation de Didi par des agents fédéraux à Manhattan pour trafic sexuel, racket et transport en vue de la prostitution a provoqué une onde de choc dans le secteur. Il a plaidé non coupable et est détenu sans caution au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, mais les dommages causés à sa réputation sont déjà immenses. En fait, Didi est maintenant comparé à Jeffrey Epstein après que des détails sordides sur ses prétendues salles de sexe ont été révélés. Des sources fédérales ont révélé que Didi aurait entretenu dans son manoir de Miami des pièces remplies de jouets sexuels, de matériel de bondage, de caméras cachées et de lingerie. Le 25 mars 2024, des agents de la sécurité intérieure ont effectué une descente dans le manoir de Didi à Miami. Des sources fédérales ont révélé que Didi aurait conservé dans son manoir des pièces dédiées au sexe. La découverte est tout simplement effrayante. Le raid a révélé une réalité effrayante. Ces salles de sexe étaient équipées de tout le nécessaire pour ce que Didi aurait appelé des freak-offs, des orgies de plusieurs jours où les victimes, souvent droguées, étaient forcées de se livrer à des actes sexuels avec des prostituées masculins tout en étant enregistrées. Les parallèles entre Didi et Jeffrey Epstein sont frappants. Les deux hommes ont utilisé leur richesse et leur influence pour exploiter des personnes vulnérables, en opérant dans le secret et en utilisant des caméras cachées pour garder le contrôle. La source fédérale a déclaré au Poste que parfois, Didi aurait simplement regardé les ébats depuis une autre pièce. Il pouvait également regarder l'action à distance sur son téléphone et la diffuser sur un téléviseur situé dans une autre partie de la maison, a déclaré la source. Il n'était pas obligé d'être dans la pièce pendant les ébats, même s'il y était souvent. La source fédérale n'a pas mâché ses mots, déclarant « À mon avis, il est aussi mauvais que Jeffrey Epstein ». La longue chronologie des problèmes juridiques de Didi. L'histoire des démêlés judiciaires de Didi commence au début des années 1990, à une époque où il commençait tout juste à se faire un nom dans l'industrie de la musique. Mais même à l'aube de sa carrière, la controverse n'était jamais loin. En 1991, une étudiante de 19 ans, Joa Dickerson-Neal, accuse Didi d'un crime odieux. Selon ses dires, Didi l'avait droguée lors d'un rendez-vous à Harlem. Joa affirme qu'après l'avoir mise hors d'état de nuire, Didi l'a emmenée chez lui et l'a agressée sexuellement. Les accusations ne s'arrêtent pas là. Joa affirme que Didi a enregistré l'agression et partagé les images avec plusieurs amis de l'industrie. L'équipe juridique de Didi a nié ces allégations avec véhémence, affirmant qu'elles étaient sans fondement et qu'il n'y avait aucune preuve à l'appui. Au fil des ans, les avocats de Didi se sont toujours opposés aux accusations de Joa et l'affaire a finalement été classée. Un an plus tard, en 1992, un autre événement tragique vient compliquer l'ascension de Didi vers la célébrité. Cette fois, c'est un match de basketball organisé par des célébrités à Harlem qui s'est soldé par un désastre. L'événement, que Didi a contribué à promouvoir, était censé être une occasion amusante et excitante, attirant des foules impatientes de voir leur star préférée sur le terrain. Mais l'excitation s'est rapidement transformée en chaos. Le match se déroulait au City College de New York et la salle était pleine à craquer. Alors que la foule grossissait, les tensions se sont accrues et une bousculade mortelle s'en est suivie. Dans le chaos qui a suivi, 9 personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres ont été blessées. Cette tragédie a choqué la communauté et soulevé de sérieuses questions sur l'organisation de l'événement et les mesures de sécurité. Didi, en tant qu'un des promoteurs de l'événement, s'est retrouvé au centre de la controverse. Bien qu'aucune charge n'ait été retenue contre lui, l'incident a jeté une longue ombre sur sa carrière naissante. Les familles des victimes et des blessés ont demandé justice et les médias ont été très attentifs à l'affaire. Ces problèmes juridiques et ces controverses ont ouvert la voie à ce qui allait devenir un thème récurrent dans la vie de Didi. Ces dernières années, les ennuis judiciaires de Didi ne semblent pas prêts de s'arrêter. En 25 ans, Didi s'est retrouvé mêlé à un incident très médiatisé à l'Université de Californie, à Los Angeles, où son fils Justin faisait partie de l'équipe de football. Selon les rapports, Didi a été accusé d'avoir agressé un entraîneur de football de l'UCLA avec un kettlebell. L'altercation aurait eu lieu après que le fils de Didi ait été critiqué pendant l'entraînement, ce qui a incité Didi à confronter l'entraîneur.
La situation a rapidement dégénéré et Didi a été arrêté et accusé d'agression avec une arme mortelle. 2 ans plus tard, en 27 ans, Didi est confronté à une nouvelle bataille juridique, impliquant cette fois son ancienne chef cuisinière, Cindy Rueda. Cette dernière a porté plainte contre Didi, l'accusant de harcèlement sexuel, de représailles, de diffamation, de non-paiement d'heures supplémentaires et de détresse émotionnelle intentionnelle. Selon Cindy Rueda, Didi a fait des commentaires déplacés et l'a exposée à des comportements obscènes alors qu'elle était employée comme chef cuisinier. L'action en justice de Mme Rueda brosse un tableau troublant de l'environnement de travail au domicile de Didi, alléguant qu'il l'a soumise à un schéma de harcèlement et de mauvais traitement. L'affaire a attiré l'attention des médias et, en février 29, elle a été réglée pour un montant non divulgué. Si ce règlement a mis fin à la procédure judiciaire, il n'a guère contribué à réparer l'image publique de Didi, qui a continué à souffrir du flot constant d'allégations. La fissure la plus récente dans l'armure apparemment impénétrable de Sean Diddy Combs est apparue le 16 novembre 2023. Cassandra Ventura, mieux connue sous le nom de la chanteuse Cassie, a déposé une plainte en justice pour des années d'abus sexuels, de harcèlement et de viol durant leur relation. Le procès comprenait également une affirmation effrayante selon laquelle Didi aurait menacé de faire exploser la voiture de Kid Cudi, une menace qui s'est avérée bien trop réelle lorsque la voiture du rappeur a explosé. L'affaire de Cassie a été déposée en vertu de la loi new-yorkaise sur les survivants adultes, Adult Survivors Act, et, un jour plus tard, elle a été réglée à l'amiable pour une somme non divulguée, mais ce n'était que le début. Une semaine plus tard, le 23 novembre, 2 autres procès ont été intentés contre Didi. Joa Dickerson-Neal se manifeste à nouveau pour l'accuser d'inconduite dans les années 90. Une autre plainte anonyme affirme que Didi, ainsi que le chanteur Aaron Hall, ont agressé sexuellement une femme et l'ont battue quelques jours plus tard. Les allégations n'ont cessé d'affluer. Le 6 décembre 23, Didi est accusé d'avoir participé à un viol collectif en 2003. L'accusatrice, qui avait 17 ans à l'époque, a affirmé que Didi et 2 autres hommes l'avaient drogué et agressé dans un studio d'enregistrement. La réaction a été rapide et sévère. Didi a démissionné de son poste de président de Revolt TV et plusieurs marques ont coupé les ponts avec son entreprise. Les retombées de ces premières plaintes n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Au fur et à mesure que d'autres allégations faisaient surface, le magnat autrefois célèbre s'est retrouvé noyé dans une mer de problèmes juridiques, tous plus choquants les uns que les autres. Alors que la première vague d'allégations ébranle le monde de Didi, les problèmes juridiques ne font que s'intensifier. Le 26 février 2014, l'infâme procès Lil Rod est rendu public, jetant de l'huile sur le feu. Rodney Lil Rod Jones, un producteur débutant, accuse Didi d'agression sexuelle et de l'avoir forcé à fréquenter des prostituées, à ingérer des drogues et à participer à diverses activités grossières. Jones a décrit une odyssée de 14 mois de vie et de travail avec Didi, affirmant qu'il a été agressé sexuellement, drogué, humilié et tripoté à plusieurs reprises. Il affirme également que Didi l'a escroqué pour son travail sur l'album 20-20-23 du Magna. L'équipe juridique de Didi a crié au scandale, qualifiant les détails du procès de pure fiction et niant que Jones ait réalisé le travail qu'il prétendait avoir produit pour l'album The Love Album, nominé aux Grammy Awards, Off the Grid. La situation a pris une tournure dramatique le 25 mars 2014, lorsque les autorités ont perquisitionné les propriétés de Didi à New York, Los Angeles et Miami, dans le cadre d'une vaste enquête sur des allégations de trafic sexuel. Ces perquisitions, décrites comme une utilisation abusive de la force militaire par Aaron Dyer, l'avocat de Didi à l'époque, n'ont fait qu'alimenter les ragots et les théories de conspiration qui circulent autour du magnat de la musique. La tempête juridique s'est intensifiée le 4 avril 2014, lorsqu'un procès a impliqué le fils de Didi, Christian Combs, dans une agression sexuelle qui aurait impliqué un membre du personnel sur un yacht affrété par Didi. La plainte affirme que Didi a facilité l'environnement qui a permis à l'agression d'avoir lieu. Alors que les batailles juridiques faisaient rage, l'équipe juridique de Didi est passée à l'offensive. Le 26 avril 2024, ils ont déposé des requêtes pour rejeter des éléments clés des poursuites, arguant que certaines des plaintes, comme celles relatives au revenge porn et à la traite des êtres humains, n'étaient pas illégales en 1991, lorsqu'elles ont prétendument eu lieu. Ils ont également dénoncé les nombreuses accusations fausses, offensantes et salaces portées contre leurs clients. L'escalade des problèmes juridiques a donné une image sombre de Didi. Le magna, autrefois intouchable, s'est retrouvé empêtré dans un réseau de procès et d'enquêtes criminelles, tous plus préjudiciables les uns que les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.